saluer la présence de l'ensemble des collègues de la députation régionale, donc les collègues du caucus. Monsieur le maire, merci de nous accueillir ici. Alors, sans plus tarder, je vais céder la parole à mon collègue Martin Coiteux, ministre de la Sécurité publique, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, et qui vous fera un topo de la situation. Alors, Martin. Oui. Alors, bonjour à tous et à toutes. Depuis... Déjà quelques semaines, comme vous le savez, la région d'Outaouais est l'une des régions les plus affectées par des inondations qui sont vraiment pas seulement très importantes, mais qui sont parmi les plus importantes des dernières décennies au Québec. Alors, la région d'Outaouais est l'une des plus affectées. Gatineau, en particulier, est très affectée, mais il y a d'autres régions d'Outaouais également qui le sont. Mais il y a aussi la Montérégie, il y a aussi la région de la Mauricie, la région de Montréal qui est très touchée. Du point de vue de la sécurité civile, j'en ai parlé hier dans un point de presse, nous avons mis sur pied des centres de coordination qui sont actifs. Il y en a un ici en Outaouais, mais Gatineau aussi a son propre centre de coordination. Donc ce matin, on a fait le point sur la situation, on a rencontré tout le monde, on a eu une discussion avec les responsables de la ville sur les mesures qui ont été mises en place et les efforts qui sont consentis. Je dois le dire ici, le travail qui est fait par la ville de Gatineau, les mesures d'urgence qui ont été mises en place depuis le début sont absolument exemplaires et je tiens à le souligner. Alors, on a un centre de coordination ici qui, évidemment, regroupe les services d'urgence des municipalités, les services incendies, les services de police. La sécurité civile du ministère de la Sécurité publique est présente pour coordonner les efforts de l'ensemble des partenaires gouvernementaux. Et ce matin, se sont joints à ces efforts des membres des Forces armées canadiennes. Donc, nous avons demandé l'aide de l'armée hier. La demande a été officiellement transmise en après-midi au ministre Raph Goodale, qui est ministre de la Sécurité publique au niveau fédéral. Et cette demande a été immédiatement acceptée. Donc, on a déjà dans chacun de nos centres de coordination, dont celui de l'Outaouais, mais également dans celui de Gatineau, présence de membres des forces armées pour qu'on puisse, en fonction des besoins et des ressources qui sont en place, utiliser de manière optimale les ressources, l'équipement de tous ceux et celles qui y contribuent. Et donc, l'armée canadienne va être en mesure également de fournir de l'assistance en fonction des besoins et des ressources en place. J'ai eu la confirmation ce matin que 400 soldats vont être déployés dans les quatre régions les plus affectées. Le travail de coordination est déjà en train de se faire et donc vous allez constater au cours des prochaines heures et des prochains jours, selon les besoins, selon les régions les plus affectées, vous allez constater donc aussi la présence de membres des forces armées qui vont venir prêter main forte aux citoyens, qui vont venir prêter main forte nos services policiers, nos services de sécurité incendie et le travail des bénévoles qui font aussi un travail remarquable, ceux qui sont avec la Croix-Rouge et ceux aussi qui s'ajoutent aux nombreux bénévoles. I would like to say a few words in English also. As you know, we requested yesterday afternoon the support of the armed forces, the Canadian Armed Forces. I made that request in the afternoon yesterday to Minister Goodale at the federal level. It's been immediately accepted. So already this morning, we have members of the armed forces that are integrated within our coordinating centers that we have in the most affected areas of Quebec. The Ottawa River region is one of the most affected area. I would like to say that the efforts and the contribution of the city of Gatineau to those efforts is really exemplary. I would like to mention it. Now we're working all together with all the resources available. We are here in the police services of Gatineau. This is one of the important chain in the efforts that are deployed, the police services. But since this morning, we can count also on the support and the help from the armed forces. So they're present in all the coordinating centers here in the Ottawa River region, in Gatineau itself, and also in Montérégie, in Mauricie, and in the greater region of Montreal. So you will see over the next few hours and days in some of the most affected areas, according to needs, according to the available resources,
you will see also the presence of members of the armed forces. I received the confirmation this morning that 400 soldiers will be deployed throughout the affected regions that I mentioned before. So this is a situation, we're making all the efforts necessary. J'en appelle à nouveau aux citoyens, j'en appelle aux nouveaux citoyens, c'est extrêmement important. Je sais que vous faites face à une situation qui est difficile. Nous sommes ici pour vous afficher non seulement notre solidarité, mais en plus de mettre à votre disposition tous les moyens nécessaires pour vous aider. Mais dans certains cas, vos autorités municipales vont vous demander, et dans certains cas, c'est déjà fait ici même à Gatineau. Dans certains cas, vos autorités municipales vont vous demander de quitter le domicile. Lorsqu'ils le font, ils ne le font pas pour d'autres raisons que d'assurer votre sécurité, de s'assurer de votre santé, de la sécurité de vos proches, de vos familles, et de sécuriser l'ensemble des quartiers qui sont affectés. Dans certains endroits, vous savez, même les véhicules d'urgence ne peuvent plus y aller. La seule façon de se rendre à vous, de se rendre à vos domiciles, c'est d'utiliser des moyens nautiques. Alors imaginez, s'il y a une situation d'urgence en plein milieu de la nuit, on prend les précautions nécessaires et donc on vous demande dans ces cas-là de quitter le domicile. Je veux vous dire, et c'est très important de le retenir, les services policiers sont sur place. Ils sont là pour assurer la sécurité de vos propriétés, la sécurité de vos biens. Et on va non seulement continuer de le faire comme on le fait actuellement, mais en fonction de l'évolution de la situation, on va accentuer ces efforts-là. So I repeat it now in English. If for emergency reasons your local authorities come to the conclusion that it's better for you to leave your home, I would like you to understand the situation. So if we're asking you to leave your home, it's really because we want to protect you. It's for your safety, for the safety of your family, for the safety of the whole neighborhood. In some cases, it's difficult to reach you in case of emergency. Our vehicles sometimes cannot go there. We have to go by boat in some cases, in some particular cases. So we don't want to wait for a serious emergency to cause serious problems to reach you. So if you're being asked by your local authorities, I ask you to collaborate. We do it for your good, for your safety, for the safety of your family. Be sure that we're deploying all the efforts to secure your property and your goods. Police services are present, they're patrolling, and they will continue to do so. And as the situation evolves, we may add additional resources to make sure that you're protected, but also your property is duly protected. Alors, merci beaucoup. Pour l'instant, c'était mon commentaire. Je vais demander à M. le maire de Gatineau maintenant de prendre la parole. Merci beaucoup, M. le ministre. Merci d'être ici. Merci à toute l'équipe de députés d'être ici. Il y a aussi la sécurité publique, la sécurité civile avec qui on travaille de tous les instants avec la Croix-Rouge. Donc, merci à l'équipe du gouvernement du Québec et à ses ressources d'être avec nous aujourd'hui. Là, les Gatinois se sont mobilisés d'une façon impressionnante. On a une vague de bénévoles qui, en fait, prend de l'ampleur encore aujourd'hui. Et avec l'ensemble des gouvernements et des autorités locales, on est capable de faire face à ce défi-là. Ce matin, en fait, M. le ministre l'a dit, les officiers de l'armée sont déjà au deuxième étage ici en train de discuter avec avec l'équipe de coordination des mesures d'urgence de la ville de Gatineau. Ils sont ici depuis environ une heure. On a mis un certain nombre. D'abord, on fait le portrait de la situation pour qu'il y ait une vision très claire de ce qui se passe sur le terrain, où sont les enjeux, quels sont les défis, là où nos services pourraient être appuyés. Je vous donne des exemples. Ce ne sont que des exemples parce que la discussion n'est pas terminée. Là, ils sont en train de s'en parler. Mais par exemple, pour Gatineau, le type de contribution, ça pourrait être des patrouilles avec des véhicules amphibies dans les coins qui sont tout à fait inondés. Tantôt, on va aller sur le site au ruisseau Moreau. Et par exemple, dans des endroits comme ça, ça pourrait être une mesure pour rassurer la population, s'assurer qu'il n'y a pas de curieux ou qu'il n'y a pas de pillage. On parle évidemment de fabrication de sacs ou de fabrication de digues. La discussion porte à la fois sur nos besoins, mais aussi sur l'offre que l'armée est capable de donner. Et c'est, on espère, plus tard aujourd'hui, qu'on va être capable d'avoir une idée claire de ce qui pourrait être fait comme contribution de l'armée. Vous me permettrez, étant donné qu'on ne fera pas de point de presse cet après-midi pour des enjeux plus concrets de la journée ici à Gatineau, de faire un certain nombre de commentaires.
Par exemple, les citoyens ont vu qu'au niveau des bretelles d'accès à la 50 Est et Ouest Saint-Louis, là, ça rend la circulation difficile. Ça va rendre la circulation difficile pour encore de nombreux jours. On demande aux gens de respecter la signalisation, respecter les postes de contrôle de police qu'on a mis sur place. Il y a des secteurs qui étaient affectés, qui le sont plus. Par exemple, tout le secteur de Carmen, où on a un point de contrôle de la police de la rue Carmen. On a un poste aussi au coin de Picardie. Donc, les accès deviennent difficiles parce qu'on a fermé un grand nombre de rues dans ce coin-là. En fait, peut-être presque tout le pâté de maison est fermé. Il y a aussi sur Jacques-Cartier, qui est fermé sur une plus longue distance depuis ce matin, le coin Riviera et Glaude est beaucoup plus affecté. Ce sont les zones qui étaient prévues, quand on parlait d'augmentation, ce sont les zones où la crue des eaux et la pluie accentuent un peu la situation, et c'est là. Donc, on demande aux gens de respecter là, nos équipes, surtout ce que la police dit au niveau de la circulation dans ce coin-là. On est à 399 évacués. On a 219 résidences qui sont évacuées aussi. Et dans les petites bonnes nouvelles, on n'augmente pas beaucoup le nombre de maisons où on est obligé de couper l'électricité, ce qui permet aux gens qui veulent rester et qui ont la capacité de le faire en toute sécurité, de le faire, ou s'ils sont partis, au moins pour les pompes de fonctionner. On a quelques enjeux sur lesquels je n'élaborerai pas, mais je vais vous en donner un qui commence à se présenter, par exemple, des refoulements d'égouts qui sont à prévoir à certains endroits, notamment parce que nos stations de pompage commencent à ne plus suffire à la demande, ce qui pourrait provoquer des refoulements dans des maisons, même dans des maisons qui sont en périphérie des zones affectées, donc pas nécessairement uniquement dans les maisons touchées. Ce qu'on va faire dans ce cas-là, c'est qu'on va faire du porte-à-porte, on va mettre dans chaque porte un message, sinon on va cogner aux portes, pour que les gens sachent qu'il y a un danger, que ça se produise chez eux. On est en train de voir comment on peut cibler par appel téléphonique les gens, les zones ciblées. Et évidemment, on continue de mettre toutes ces informations-là sur notre site Web. Merci. Simplement, pour vous informer, évidemment, dans la circonscription de Gatineau, plus au nord, en haut de Gatineau, le niveau de la rivière continue d'augmenter. Alors, pour le moment, il y a peu d'évacués. Quelques-uns dans le secteur du lac Cron à Bouchette, quelques-uns potentiellement dans les prochains jours dans le secteur de Gracefield. Les évacuations qui ont eu lieu, les plus importantes, évidemment, comme vous le savez, c'est l'évacuation préventive du foyer Père-Guinard. Alors, les gens sont relocalisés. Alors, les équipes du CISO sont à pied d'œuvre, mais la Haute-Gatineau, évidemment, est sur le qui-vive. Je veux simplement vous rappeler aussi que le 10 mai prochain, mercredi soir, il y aura une séance d'information pour le public, une séance d'information sur le programme du ministère de la Sécurité publique pour les sinistrés ou ceux et celles qui travaillent très fort pour éviter qu'un sinistre affecte leur propriété. Alors, cette séance d'information-là se tiendra à 19h30 à la polyvalente du Carrefour. On continuera, mais je pense que c'est important dès ce matin d'informer les citoyens qu'il y aura de l'information plus précise sur le programme d'aide aux sinistrés. Je vais céder la parole à mon collègue Marc Carrière, qui est l'un des collègues durement touchés. André et Alexandre vous feront aussi le topo de la situation dans leur circonscription. Alors, bonjour, merci tout le monde. Je ne répéterai pas ce que le maire a dit. J'arrive du secteur Moreau-Saint-Louis. Il y a des gens qui sortaient encore. Là. C'est vraiment un coin problématique. Je veux souligner le travail qui est fait à la fois par les policiers, les pompiers, les cols bleus, les travailleurs qui sont là, les bénévoles. Il y avait une bonne humeur qui était là tantôt. Donc, je veux souligner le travail qui est fait là. Je suis allé dans d'autres coins également là, du comté. Et juste mentionner également qu'il y a eu une rencontre le 24 avril pour les premiers sinistrés. Comme disait Stéphanie, il y en aura une deuxième. Donc, moi, j'encourage tout le monde qui a un petit coup de main à donner, là, de peut-être donner, appeler au 3-1 puis donner un coup de pouce. Pardon? Non, c'est Strana Campo et non pas appeler 3-1. Ah, au Strana Campo. OK, merci. Merci. Marie, voulais-tu dire un petit mot?
Alors, comme vous le savez, moi, j'ai la chance d'avoir aucun, au moment où on se parle, il n'y a aucun sinistré dans le comté de Hull. Mais je suis ici par solidarité. Puis aussi, les citoyens de Hull sont des bénévoles qui prêtent main forte partout, dans tous les secteurs. Puis je veux féliciter l'équipe de la Croix-Rouge. Vraiment, Anne Boutin et son équipe font un travail exceptionnel. Je vais aller les visiter et puis ils sont vraiment présents, les bras ouverts, puis ils encouragent tout le monde. Et elle est là. Alors Anne, bonjour Anne d'être venue ce matin. Je pense que tous les sinistrés auraient une main d'applaudissements pour vous. Ce matin, on voit l'importance d'organismes comme le vôtre dans des circonstances difficiles que l'on vit aujourd'hui. Alors, bravo Anne, merci d'être là. Je passe la parole au prochain intervenant. Merci Marie. Je veux vous parler de la situation en milieu un peu plus rural. Vous le savez, évidemment, la rivière des Outaouais, longeant le Pontiac ou le Pontiac longeant la rivière des Outaouais, il y a des sinistrés de Chapeau à Gatineau, évidemment, donc à Chapeau, à Mansfield, Pontefract, à Waltham, à Campbell's Bay, à Bristol, dans la municipalité de Pontiac, qui est probablement l'une des plus durement touchées en Outaouais. Il y a plus d'une vingtaine de routes municipales qui sont fermées en ce moment. Alors, je sais que dans chacune de ces municipalités-là, il y a des équipes, tant de la part des équipes municipales, des équipes de bénévoles, parce que souvent, dans les petites municipalités, les pompiers, ce sont des pompiers bénévoles, alors eux qui travaillent par moment, tout au cours de l'année, là, ont travaillé sans relâche depuis plusieurs jours pour aider les gens qui sont dans le besoin à protéger leur demeure, leur résidence, leurs biens, à évacuer, à s'assurer que les gens sont en sécurité. Alors, je veux simplement remercier toutes les équipes. Il y en a qui ont travaillé tout au cours de la nuit, cette nuit, et qui vont continuer à le faire pour des prochains jours, tant que les besoins seront là. I just want to say a few words as well to the citizens of those municipalities, many of who have been displaced or who are being displaced to the regional centers right now. The Red Cross is in the municipality of Pontiac and has been for quite some time as the flooding started a few weeks ago. The Red Cross also opened a center in Mansfield in the last night, I believe. And it's much needed, but it's a service that is available to you if you are being displaced, if you are being told by the emergency services that you need to leave your residence, please do so. Call the municipality, call the Red Cross, call whoever you need to in order to get the proper services. They are being made available. I want to thank the Army who has started to assess the services in the municipality of Pontiac and in municipalities across the region. And they will be on the ground shortly to help you. So, un grand merci au gouvernement fédéral pour son aide à ce niveau-là. Alors, merci. Je vais saluer mes collègues qui ont les traits tirés ces derniers temps, et c'est tout à fait normal. Merci, Martin, de ta présence ici. C'est très rassurant pour les gens ici que tu sois venu en Outaouais. Monsieur le maire et toute son équipe. Je vois des conseillers municipaux aussi, Madame Gonneau, Monsieur Carrière. Il y en a peut-être d'autres que j'oublie, mais je les salue. Je vous salue aussi, les journalistes. Merci de votre présence. C'est pas facile pour tout le monde. Puis je m'aperçois que c'est pas facile pour vous non plus. Là, ça prendrait quasiment une photo de derrière pour vous voir en botte. C'est assez rare qu'on participe à une conférence de presse avec des journalistes tous en botte à pluie, mais vous n'avez pas le choix, comme tout le monde. Dans mon secteur, j'ai parlé à Paulette Lalande, la préfète de la MRC de Papineau, ce matin. Elle m'indique que la situation est quand même sous contrôle, notamment à Saint-André-Avelin, la rivière de la Petite-Nation est sous contrôle. Où c'est plus problématique, c'est à Plaisance pour les presqu'îles. Alors, ils sont inondés. Ils s'est évalué d'heure en heure pour des évacuations, des petits coins à l'Ange-Gardien, Mayo. Mais le pire secteur dans mon comté, je vous dirais que c'est vraiment Masson-Angers, secteur fer à cheval. Il y a des gens là qui sont évacués. Hier, j'ai fait une visite terrain avec le conseiller municipal Marc Carrière. On a même sorti une personne âgée de sa résidence, une personne qui était à mobilité réduite de sa maison. Donc, j'invite et je fais le même message que mes collègues. N'hésitez pas. Puis je sais que la décision de quitter sa maison n'est pas facile, mais lorsque la sécurité est en jeu, il faut prendre cette décision-là. Donc, de ne pas défier les consignes des autorités,
de les respecter. Et l'armée est là, puis ça va être une grande utilité, surtout dans le secteur Masson-Angers, pour justement surveiller les maisons pendant que les gens sont absents, pour pas qu'il y ait de vandalisme ou de vol. Je sais que ceux que j'ai rencontrés hier soir et ce matin sur le terrain d'un certain âge me disaient qu'en 1974, une des problématiques, c'est qu'il y avait du pillage et des vols. Il y en a même un petit peu plus vieux qui me parlait de 1947. Et je pense qu'à ce stade-ci, avec l'aide de la municipalité, les équipes qui sont déjà en place et de l'armée, il y a du bon travail qui va se faire. Alors, je dis aux gens du magnifique comté de Papineau de respecter les consignes des autorités et de ne pas prendre, de ne pas défier et de ne pas prendre de chance pour la sécurité de vous et de vos proches. Merci. Juste une correction, la rencontre du 10 mai va être à la polyvalente Nicolas-Gatineau et non au Carrefour. Alors, je passe à 19h30 toujours. Bonjour, Patrick de Bellefeuille de Météo Média. Je comprends qu'on est en mode sécurité pour l'instant, c'est évidemment c'est ça qui compte, mais est-ce que, mis à part ce qui est d'habitude prévu, on a déjà commencé à penser à un autre, à débloquer des fonds pour aider les sinistrés quand tout ça va commencer à revenir? Évidemment, on discutait de ça déjà ce matin, de ces questions-là. C'est certain qu'on va faire les choses correctement, puis on va faire preuve de toute la solidarité nécessaire. On est en train d'évaluer la situation. On va se concentrer maintenant là, sur la partie, mettre tout le monde en sécurité. Évidemment, quand la situation va retourner à la normale, qu'on va constater les dommages, tout ça, on sera prêt à ce moment-là. Donc, on est déjà en train de préparer ce qui va être la suite des choses. Michael Couture with Global National. I just had one question for two people here. First, Mr. Minister, was there ever any consideration to calling in the Army just a little bit earlier? Because as we can see, there are areas, even Île Mercier in the Montreal area, that were precarious, to say the least, earlier this week. I mean, some might say this was a little late in calling in the Army. No, in fact, we have taken, well, see, it was always an option. This is an option that we considered at all times since the beginning of those floods. The question here is that the last forecast that we received over the last days were showing that the situation would deteriorate over the coming days. And the current situation is there for a number of weeks. So obviously, even if we have lots of resources on the ground, even if we're taking all the efforts necessary, at one point, the resilience of everybody will be tested. First of all, the affected citizens, but also our emergency measures, our emergency services. So we need additional support, and that support, you don't want to improvise it at the very last minute. So you want to step up gradually the measures, and this is what has been considered and decided finally that it was time to ask for the support of the armed forces. And I just want to ask the mayor of Gatineau here, sir, because you didn't say in English, if you could give us a bit of the bilan that we're seeing right now in your area and how it has actually kind of stabilized a little bit, as you said, that you didn't have to turn off, you're not having to turn off the electricity in many areas. Actually, in our bad luck, we have some luck in Gatineau, and that is that the situation, even if it gets, if water level rises a lot, roughly the same areas will be affected. So people within those areas will keep having a very tough time. But the area affected will not grow a lot. We've seen already that some areas, as I said, the Riviera and the Rue Claude, and also the Carmen sector have been affected a lot more than yesterday. But we wouldn't add the thousands of houses to the challenge. And as Mr. Minister said, the fact that the Army is here is an excellent a tool for the future, because we know that we're in this for a long time. And because of the rain, because of the 3 weeks that we went through, we know that people are getting tired, so that's a help that will be welcome. Even if, as we speak, police are in charge and they have enough resources, same for firefighters and public works. But in the long term,
And the fact that they are sitting here right now is good news, because when situation changes, they will be there. They will follow that by the hour, and they'll be able to give a hand. Just the bilan of how many people evacuated. We're at 399 people evacuated, but it's changing as we speak. So I think in the last evening and night, it's 85 people that were evacuated, for a total of around 400, and 219 houses have been evacuated. Thank you. Bonjour, Raymond Filion de TVA. Monsieur le maire, quelle est la plus grande inquiétude à ce moment-ci? On a plusieurs. Dans les inquiétudes à court terme, comme je le disais tantôt, c'est les refoulements des cours, parce que là, c'est un nouveau phénomène qui arrive du point de vue de l'organisation municipale. Le reste, c'est pas nouveau, mais c'est notre inquiétude constante. C'est les endroits où les gens ils sont isolés, sont dans des maisons isolées, ils n'ont plus d'accès à la maison. Nos pompiers continuent de faire du porte-à-porte. Donc, la sécurité de notre monde, ça reste l'enjeu principal. Et je dirais qu'avec le temps qui passe, ça ajoute un certain degré de détresse. Là. C'est pour ça que l'aide du CISO, là, des services de santé, est utile. Puis j'invite les gens qui sont en détresse au centre, qui sont en train de perdre de la force, de donner un coup de fil à nos services, parce qu'on est là pour ça. Dans les centres de services aux sinistrés, il y a des gens sur place qui sont capables de donner un coup de main aux gens qui sont en détresse. Puis je parle de toutes sortes de détresse, parce que souvent, ils sont sortis de la maison, ça va bien, ils ont à manger, ils ont un toit, mais ils se demandent vers quoi ils vont retourner dans 3 semaines, dans 1 mois, puis c'est ça qui est très dur. Là. J'ai rencontré beaucoup de citoyens qui sont dans cette situation-là. Il y a aussi, dans nos préoccupations, c'est les zones très isolées. Ce matin, j'étais au fer à cheval, il y a la rue Urtibise qui est comme ça, et le secteur Moreau, où il y a moins de distance sur certains Moreau, mais ça reste quand même une isolation assez grande. Là. Il y a une distance entre les gens et les services d'urgence. Fait que, comme M. le ministre disait, il ne faut pas que les gens hésitent à quitter leur maison. On est capable de les accompagner, leur dire quoi faire, et ils vont être pris en charge par la Croix-Rouge. Et est-ce que vous savez peut-être, M. Coiteux, à quel moment précisément les forces armées vont être actives sur le terrain? Bon, ça commence déjà maintenant. Vous savez, d'abord, les forces armées sont dans tous les centres de coordination des secteurs qui sont touchés à l'heure actuelle par des inondations. Il y en a 4. Hein? Donc, il y a l'Outaouais ici, évidemment, il y a la Montérégie, il y a la région de Montréal, puis il y a la Mauricie. Ils sont déjà présents, ils sont déjà là dans les centres de coordination pour évaluer les besoins. Et on fait tout ça ensemble. On était dans le centre de coordination de Gatineau plus tôt, et les forces armées sont là avec les services incendie, avec la police, avec les gens des mesures d'urgence de la ville, avec le ministère de la Sécurité publique, les services de sécurité civile, les autres ministères qui sont concernés, santé, services sociaux aussi concernés. Tout le monde est là autour de la table. Et tout le monde est en lien avec les municipalités qui sont touchées pour connaître la situation sur le terrain, les besoins sur le terrain. Et à partir de là, les meilleures ressources sont déployées sur le terrain. Il y a 400 soldats qui sont en voie de développement, plus qu'en voie de développement, ils sont sortis de leur caserne. Ils sont en train de se déployer dans les différentes régions. Monsieur le maire, juste pour être très précis au sujet de l'évacuation recommandée, est-ce que vous recommandez à tous les sinistrés de quitter leur maison? Pas à cette étape-ci, c'est-à-dire qu'on recommande à toutes les personnes qui se sentent le moindrement pas en sécurité de le faire. En fait, la vraie réponse, là, c'est quand le pompier vous dit de sortir, là, sortez. Mais on ne fait pas une invitation à l'évacuation générale pour toutes sortes de raisons, notamment parce qu'il y en a qui ne veulent pas, sont dans leur maison, ils font le choix, ils se sentent en sécurité, ils ont une configuration physique qui fait qu'avec leur maison, ils sont corrects. Mais quand les pompiers vous disent de sortir, là, sortez. C'est eux qui connaissent ça. Vous souhaiteriez avoir combien de militaires, combien de véhicules sur le terrain pour assurer une sécurité? Comme j'ai dit tantôt, la discussion est en cours au moment où on se parle au deuxième étage ici. Nous, les premières demandes, les premiers sujets de conversation, là, c'est fabrication de sacs, fabrication de digues et aussi des patrouilles. Patrouilles amphibies, par exemple, dans les secteurs isolés que je décrivais tantôt, que ce soit à partir de la rivière ou que ce soit même dans le secteur Moreau, par exemple, où il y a des maisons qui sont assez loin, où on veut éviter à la fois les curieux et un pillage éventuel. Bonjour, je vais Denis Bellavance de la presse. Monsieur Coiteux, est-ce qu'il y a eu des dommages à des infrastructures essentielles jusqu'ici causées par ces inondations, des ponts, des routes essentielles, etc.? Oui.
Oui, je ne pourrais malheureusement pas vous faire le bilan parce que je n'ai pas les gens du ministère des Transports avec moi ici, mais dans différentes régions, oui, effectivement, il y a des dommages aux infrastructures routières, à des ponceaux en particulier ici. Écoutez, en Mauricie, la semaine dernière, il y a eu un affaissement d'une route. Il y a même des policiers de la Sûreté du Québec qui littéralement sont tombés dans cet affaissement et heureusement, leur vie n'est pas en danger. Là, c'était des blessures mineures dans plusieurs régions du Québec. Ce qui se passe à l'heure actuelle, ce n'est pas seulement qu'on a des inondations records, mais on a également une année record du point de vue des glissements de terrain. Donc ça aussi, c'est quelque chose que nous surveillons de très près, que les autorités de la sécurité civile avec les municipalités concernées surveillent de très, très près. Je ne pourrais pas vous faire le bilan, mais il y a de nombreuses structures là, qui ont été affectées. Une question pour M. le maire. L'autoroute 50, j'ai passé dessus tout à l'heure, puis il semblait y avoir de l'eau qui s'y voulait gagner l'autoroute sur cette portion ici, quand on traverse le pont. Est-ce qu'il y a danger que cette autoroute soit menacée par la crue si ça continue? C'est le ministère des Transports qui, avec nos services, est en train d'évaluer ça. Là, il regarde. Le ministère des Transports, justement, en coordination avec la ville et la cellule de crise de l'Outaouais, évalue la situation là, au fil du temps qui passe, je vous dirais. C'est vrai qu'au cours des dernières heures, l'eau a pris beaucoup plus de place et s'il y a lieu, les mesures seront prises. Pour le moment, on n'en est pas là. Mais si la sécurité des usagers devait être en jeu, nous prendrons les mesures nécessaires. Est-ce que ça pourrait être fermé dans le pire des cas? Ou? C'est certain que vous avez pu voir, il y a déjà des bretelles d'accès qui sont fermées en raison de la crue des eaux. On verra si la sécurité, comme je le mentionnais, la sécurité des usagers de la 50 est en jeu, les mesures sont prises. Pour le moment, on n'en est pas là ce matin. Une autre petite question, juste précision. La lumière au bout du tunnel pour vous, M. Benoît-Jobin, c'est quand? Ça dépend de qui on parle. Puis c'est ça qui nous inquiète beaucoup. Puis on a eu une longue conversation ce matin parce que, d'abord, les eaux vont quitter lentement, mais la lumière ne viendra pas nécessairement avec le soleil puis la sécheresse. C'est que des gens ne savent pas vers quoi ils vont retourner. Puis c'est une des choses qu'on exprimait, M. le ministre. Et c'est ça qui est très difficile à vivre pour bien des gens. Il y a des secteurs où je pense à la Pointe-Gatineau en général, c'est pas des zones riches non plus. Et ça, la lumière, pour eux, ça risque de prendre beaucoup, beaucoup de temps. C'est pour ça qu'on incite les gens à se préparer pour longtemps. Il y a des enjeux de nettoyage qui vont nous accompagner. Ça, c'est un autre exemple, là, je l'ai oublié, là, mais où l'armée pourrait peut-être donner un coup de main parce qu'il y a une quantité de matériel à évacuer. Vous aviez posé une question sur les infrastructures. Un autre élément, on a des équipes d'analyse géotechnique qui sont sur le terrain. Il me semble que c'était quatre. En tout cas, on a beaucoup de gens parce qu'on sait qu'à la ville de Gatineau, il y a plusieurs zones de mouvement de masse et on suit ça d'extrêmement près. Non seulement maintenant, mais ça va être un enjeu quand les eaux vont quitter. Et ça, on le prend tout à fait au sérieux. On a malheureusement une certaine expertise dans ce domaine-là. I was just hoping you could talk about security because I was down on Jacques-Cartier as well as Saint-Louis, and people there are concerned when they're leaving their homes about them being secure because some of them have heard about looting happening. So I realize that police and emergency services are trying to just get people out, but how can you assure people that their homes and their possessions that they're leaving behind are going to be kept safe? Our police officers and all our force is on the ground. We've, as of last night, so I'll play it safe, was that as of yesterday afternoon, a little late, there was nothing reported to the 911 as far as looting was concerned. But that's an area where the Army could be helpful. It's part of the discussion where we'll see if they could patrol in areas because they have equipment that we don't have. So they could patrol in some areas that we have a difficult time reaching. But as we speak, people should be careful about rumors. And if they see something, if they hear something, they call 911 and our police can go on the ground, is on the ground and can react very quickly. But again, that's one area where the Army could help us feel safer.
Bonjour, Florence Guénaud, Radio-Canada. Est-ce qu'on sait exactement quand est-ce que les militaires vont arriver sur le terrain? On sait qu'il y en a déjà certains dans les centres de gestion de coordination des mesures d'urgence. On a entendu dire qu'il y en avait qui étaient partis de Valcartier ce matin. Est-ce qu'on sait combien de personnes seront déployées à Gatineau dans la région et quand? Oui, bien, c'est là qu'est tout le travail de coordination et d'évaluation des besoins et des ressources sur place. Ici, à Gatineau, M. le maire fait part du type de discussion qu'il a déjà à l'intérieur du centre de coordination ici. Ce genre de discussions vont avoir lieu dans tous les centres de coordination, dans tous ceux qui sont concernés directement. Et c'est de cette façon-là que les décisions pourront être prises quant au nombre exact et à quelles tâches seront affectées les militaires dans les différentes régions. Donc, on ne peut pas vous confirmer combien ici, dans la région de l'Outaouais, mais cette évaluation-là, à l'heure où on se parle, elle se fait. Mais il va y avoir au moins dans un premier temps 400 militaires au total qui vont être déployés dans les quatre régions. Merci. Sabrina Rivet, TVA. Le mandat de l'armée, c'est pendant combien de temps? Est-ce qu'ils sont ici pour une semaine ou jusqu'à temps qu'on n'en ait plus besoin? Il n'y a pas de durée déterminée. Il n'y a pas de durée déterminée. Écoutez, on a dit qu'on était face à une situation qui était exceptionnelle en raison de l'ampleur des inondations, évidemment. Exceptionnelle aussi... c'est un mot, mais c'est que ça va se détériorer compte tenu de la pluie. Vous voyez le genre de précipitation que nous avons, ça va se détériorer au cours des prochains jours. Et donc, même lorsque on aura, et il faut espérer là, que les conditions météorologiques s'améliorent, même lorsqu'elles vont s'améliorer, ça va prendre un certain temps avant de retourner à la normale. Donc, il y aura beaucoup de choses qui vont devoir être faites pendant cette période-là, beaucoup de choses qui vont devoir être faites dans l'après-immédiat là, du retour des eaux à la normale, et on a besoin de toutes les ressources nécessaires. Donc, les militaires sont ici avec nous, je pense, pour le temps qui sera nécessaire. Dylan Robertson for the Ottawa Citizen. Mr. Minister Coiteux, can you please walk me through the decision to call in the Army? What was the point at which you decided it was time? Well, at all points, we consider that to be a serious option to be considered, but the critical aspect, the critical point that decided us yesterday to take that decision was really the forecast that the situation, which is already very serious, would deteriorate over the next 2-3 days, and that we were in this situation for a number of weeks. So that is putting a lot of pressure on people that are affected, of course, but that is putting a lot of pressure on the resources that we're deploying. So we need extra help, and that extra help that comes from the armed forces is not only welcome, it is becoming necessary. So instead of improvising this at the very last minute, we wanted the armed forces to be integrated immediately to our coordinated efforts. It started already last afternoon, and it's going to be stepped up as we go. And on that note, could you just please address some criticisms that you waited until hundreds of people were evacuated? You describe a gradual process. People are saying, why didn't you have more of a preventative measure of having the Army come in before that? The situation is serious, but is under control. But we need extra resources. We need extra resources. We need more equipment. We need more people. And this is something that the armed forces can provide. And they are integrated into our coordinated efforts. So it's not that one particular the police services will go on one side and the armed forces will go on another side. We're working together closely in a coordinated way. Kevin Saint-Jacques de Cogeco Media. Je voulais savoir, est-ce qu'il va y avoir une aide psychologique qui sera offerte aux citoyens, parce qu'on le sait qu'il y a plusieurs personnes qui le réclament? Absolument. Et d'ailleurs, dans nos centres de coordination, le ministère de la Santé et des Services sociaux est présent. On mentionnait ici l'aide qui est apportée par le CIS de l'Outaouais. C'est déjà important, mais ça va devenir de plus en plus important au fur et à mesure que passe le temps. Vous savez, il y a des gens qui ont vu l'eau commencer à retourner à des niveaux plus normaux pour revoir encore l'eau monter à nouveau. Alors, évidemment, ça affecte le moral des gens. On en est tout à fait conscient et donc toute l'aide qui peut être apportée va être apportée. J'aurais un élément, parce qu'on en a parlé tantôt, mais on disait aux gens de s'inscrire au 3-1. Il y a trop de gens qui s'inscrivent. Il faut que les gens aillent directement sur les lieux. Toute la journée aujourd'hui et demain à l'Arena Campo, j'étais là ce matin, puis on avait dit de venir à 10 h, puis à 9 h, il y avait déjà plein de gens pour faire des sacs.
mais l'inscription au 3-1, on oublie ça pour l'instant parce que ça monopolise les lignes. Les gens sont généreux, les Gatinois sont déjà font déjà preuve de beaucoup de solidarité. Il y a énormément de gens qui font du bénévolat. Il y avait des lignes de camions devant les ateliers municipaux ce matin. Donc, que les gens se rendent directement sur les lieux parce que ça va nous aider. Et si les gens essaient d'appeler au 3-1 pour une urgence, on rappelle que ce n'est pas le 3-1 pour l'urgence, c'est le 9-1. Quelqu'un qui veut être évacué, qui se sent en détresse, qui a une menace immédiate, là, faites le 9-1. Merci.